Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du BMW F900XR. Je vous dis tout sur cette machine. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous faire un petit descriptif. Ensuite, je vous fais un petit essai routier avec plusieurs essais, freinage, angle de braquage, des amortisseurs. Restez bien jusqu'à la fin, je vous fais un tableau des plus et des moins, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Allez, on passe à la description de ce F900XR. On commence par le moteur, c'est un bicylindre à 4 temps, refroidi par eau. La cylindrée sera de 895 cm3, alors vous aurez 95 chevaux à 8000 tours minute en full et vous aurez 48 chevaux à 6500 tours minute en A2. Pour le couple, 88 Nm à 6750 tours minute en full et 66 Nm à 4500 tours minute en A2. On passe à la transmission. Vous avez un embrayage multidisque anti-dribble en bain d'huile. Pour la boîte de vitesse, vous aurez 6 rapports. Le châssis, vous avez un cadre en poutre tubulaire en acier. Pour la suspension avant, vous aurez une fourche inversée de 43 mm avec un débattement de 170 mm. Pour la suspension arrière, vous aurez un double bras oscillant en aluminium et un amortisseur central réglable en précharge et en détente avec un débattement de 172 mm. Pour les roues, vous aurez deux jantes en aluminium coulé de 17 pouces. On passe au frein avant. Double disque de 320 mm avec des étriers Brembo à 4 pistons et à fixation radiale plus un ABS BMW. Pour le frein arrière, vous aurez un monodisque de 265 mm avec des étriers Brembo flottants à 1 piston et un ABS BMW aussi. Dimension et poids. Bon, hauteur de selle 825 mm, je reviens dessus en vidéo. Réservoir 15,5 litres avec 3,5 litres de réserve. Une longueur de 2160 mm. Une hauteur qui se situera entre 1320 et 1420 mm selon la selle que vous choisissez. Une largeur de 860 mm. Un poids tout plein fait de 219 kg, je reviens dessus en vidéo. Bon, on passe aux performances. Vitesse max 220 km/h en full, 88 Nm. 170 km/h en version A2 avec 66 Nm de couple. Cette moto pourra effectuer un 0 à 100 en 5,2 secondes. Pour la conso, 4,2 litres au 100 pour un réservoir de 15,5 litres. Donc ça vous fait une autonomie d'environ 350 km avec le plein. Maintenant, on va passer aux équipements qui seront de série sur la moto. Donc de série, vous avez un écran TFT, des phares plus des clignotants à LED, un ASC, donc c'est le traction control, c'est l'anti-patinage, un mode rein et road, vous avez que cela de base sur le véhicule. Vous avez des leviers réglables, une prise 12 volts et une bulle qui sera réglable. En ce qui concerne les options que vous allez pouvoir ajouter dessus, donc vous pouvez ajouter des phares adaptatifs en virage, des modes de conduite supplémentaires comme le mode dynamique et dynamique pro, vous aurez l'ABS pro, le châssis réglable électroniquement, une béquille centrale éventuellement, le mode keyless pour pouvoir démarrer le véhicule sans insérer la clé, l'appel d'urgence et le kit de rabaissement. Tout ceci, c'est des options. Pour le tarif, véhicule vendu à partir de 11 790 €, il sera disponible en blanc gris, en triple black et en bleu sport comme sur ma version d'essai. Attention, ce véhicule, pour l'équiper comme sur ma version d'essai, alors il va falloir choisir le pack pro et ce pack pro coûte 3 200 €. À l'intérieur de ce pack pro, vous aurez le pack actif qui fait 645 €, le pack confort qui fait 870 €, le pack dynamique qui fait 690 € et le pack shifter à 200 €. Donc vous avez tous les packs dans le pack pro excepté le pack touring qui est à 465 €. Donc en gros, ce véhicule, si vous voulez le sortir neuf avec toutes les options possibles comme sur ma version d'essai sauf les top cases, vous basculez de 11 790 à 15 200 € approximativement.
Au niveau du gabarit, regardez, je fais 1m72, j'ai pas les pieds à plat. La selle est annoncée à 825, donc je suis pas sur la pointe des pieds, mais j'ai pas les pieds à plat. Véhicule annoncé à 220 kg pour la manœuvre à l'arrêt. Il est lourd, mais vous avez de très bonnes prises, donc ça va. Petit tour du propriétaire de ce F900 XR 2023, bridé à deux. Alors la face avant, ça donne ça. Ça me fait penser un peu à mon XADV. Je vous fais écouter le bruit de l'échappement. Très joli bruit. Bon, on passe aux commandes. Alors ici, vous aurez le joystick pour naviguer dans le menu. Le bouton dans le menu. Ici, le bouton pour régler la suspension. Clignotant, klaxon. Le bouton pour régler l'intensité des LED de jour, diurne. Feu de détresse. Régulateur, poignée d'embrayage qui sera réglable. Ensuite de l'autre côté, le coupe-circuit. C'est le bouton pour les modes. Là, c'est le bouton pour les poignées chauffantes. Ici, le petit bouton SOS. Et levier de frein qui sera réglable aussi. En ce qui concerne l'écran TFT, très bel écran TFT. On y voit superbement bien. Voilà, donc vous aurez les tripes. Vous pouvez naviguer à l'intérieur du menu. Voilà, vous avez un onglet, mon véhicule, sport, navigation, médias, téléphone ou encore les réglages. Voilà, donc vous avez ici l'heure, le rapport engagé, compte tour, température, les tripes et là vous avez les modes de conduite. Donc vous aurez du road, du dynamic pro, du rain. Et voilà, on va faire l'essai en dynamique. Les amis, place à l'essai routier de ce BMW F900 XR modèle 2023. Alors on va commencer de suite. Je vais vous parler d'abord de mes sensations au guidon de cette machine. Donc c'est un roadster type trail qui va avoir un guidon plus ou moins large, un peu comme sur un trail. En étant habitué à mon XADV et en montant sur ce genre de machine, je me sens pas dépaysé. Voilà, guidon assez large, rétroviseur bien calé, on y voit très bien. On commence par la prise d'angle. Regardez, vous aurez aucune difficulté à prendre de l'angle avec cette moto. Donc pour la prise d'angle, c'est bon. Voilà, c'est BMW, c'est bourré d'options. Dessus vous avez traction control, anti-wheeling, l'écran, on y voit superbement bien. Vous avez une bulle qui sera réglable en deux positions, donc position basse et position haute. Moto équipée d'un shifter up and down, mais pour passer les vitesses supérieures il vous faudra accélérer, et pour passer les vitesses inférieures il vous faudra décélérer. Ok, bon, je vais vous tester l'angle de braquage ici. Donc du coup je ralentis, je vous montre. Voilà, ça n'a pas l'air fantastique, on va essayer. Alors c'est parti. Voilà, donc premier essai, ça va, je recommence en roulant. Voilà, bon, angle de braquage, il n'est pas fameux mais il est standard. Voilà, avec vous pourrez faire un demi-tour, il n'y a pas de problème. Bon, on va tester le freinage. Je vais vous dire ce que j'en pense. Ok, bon, on accélère un peu. Et là je pile. Bon, freinage combiné, très bien. Comme vous pouvez voir, il y a la détection de freinage d'urgence qui va vous allumer les warnings, donc ça c'est bien. Bon, pour le freinage combiné, ça va, ça freine, c'est du Brembo. La fourche, j'ai trouvé qu'elle a plongé quand même un petit peu. Ok, je vais vous tester le frein arrière et le frein avant, on va voir. Alors pour le frein arrière, j'accélère un peu et hop, je pile. Bon, ça freine,
Mais comme d'habitude, hein, selon moi, ça sera pas assez pour arrêter le véhicule. Ok, maintenant je vais vous tester le frein avant uniquement. Alors on accélère un peu. Et je pile. Le frein avant a énormément de mordant, tellement je trouve que ça fait plonger un peu la fourche à l'avant. Bon, maintenant je vais vous tester la souplesse du moteur. Donc en roulant à faible allure, je vais passer les vitesses et on va voir jusqu'à quelle vitesse la machine aura de la reprise. Donc là je suis en 1, 2, 3, 4. En 4 ça reprend mais ça broute. 3. 3 ça repart normalement. Bon, on remet la 4. 5. Non. 4. Allez, 3, 4. Vous pouvez monter jusqu'à la 4e. Vous aurez de la reprise plus ou moins jusqu'à 3. Parfaitement. À 4, ça commence un petit peu à brouter. Et en 5, selon moi, vous calez. Donc sur cette machine, il y aura des suspensions qui vont être réglables. Là, ils sont réglés en dynamique, donc ils vont être durs. Hop, on peut les mettre en road pour les rendre un peu plus souples. Hop, je vais les mettre en road, les amortisseurs. Faut savoir que c'est seulement l'amortisseur arrière qui se règle. Je vais les mettre en road et on va se tester ceci. Voilà, allez, là on va se taper une petite accélération. Ok, 1. On teste le shifter. 4. Ok. Ça marche vraiment bien, les gars. Ça marche bien. Je vous affiche la vitesse max, le 0 à 100, le couple sur l'écran. Mais honnêtement, le shifter, c'est pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, on va se tester l'amortisseur arrière ici, un petit dodan là. On va voir ce que ça donne. Alors hop, ça va, ça va, ça va. Encore un autre, ça va. Hop, là j'en ai pris un plus ou moins fort. Bon, l'amortisseur arrière, il fait bien le boulot. Rien à dire. Par rapport à la boîte de vitesse, pas de difficulté à trouver le point mort. Les rapports se passent très facilement, super fluide. Voilà le véhicule, regardez, il est super facile à prendre en main, très agile, un peu lourd à l'arrêt, 220 kg je crois, mais ça se ressent plus du tout lorsque vous avez démarré. Alors je vais vous donner mon avis, ça c'est mon avis à moi, voilà, en tant que nouveau permis A2 et en tant que débutant. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos qui disait que l'accélération sur cette machine était linéaire voire molle. C'est pas l'impression que j'ai, voilà. Après attention, je suis nouveau permis, je suis débutant, c'est la première 900 que j'essaye, voilà. Donc c'est peut-être pour ça que je vais trouver qu'elle marche bien. Moi l'accélération, honnêtement, je la trouve plus que correcte, voilà. Voilà, regardez, ça marche vraiment bien, vraiment. Alors peut-être qu'en dessous à bas régime, en dessous les 4000 tours minute, l'accélération est pas entre guillemets violente, mais elle est selon moi comme il faut, voilà. Donc vous accélérez, il y en a assez. Après passer les 4000 tours minute, là vraiment la machine elle se réveille et là ça va marcher vraiment très fort. Bon, ce BMW F900XR, faut savoir c'est un bicylindre. Ils l'ont commercialisé pour venir concurrencer la Yamaha Tracer 9 qui est en 3 cylindres celle-ci. Mais pour le moment, moi cette F900XR, j'aime bien. Au niveau de l'accélération, je vous disais, à bas régime en fait elle va être coupleuse, ça va, il y en a assez. Mais c'est pas violent, mais honnêtement moi j'aime bien comment c'est foutu. Voilà, c'est une machine, vous pouvez rouler tranquille avec en gros, voilà. Elle va pas être brusque à l'accélération, vous risquez pas de tomber. Et par contre, si vous en voulez et que vous ouvrez les gaz, ben il y en a. Il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, au niveau du confort,
La selle, je la trouve un poil dur, c'est un peu ferme. Voilà, je suis sur la machine, ça fait quoi, 20 minutes. Et au niveau du confort, je trouve que la selle, il y a mieux. J'ai déjà testé mieux. Bon, on va se tester la protection au vent. La bulle est en position haute. J'ouvre ma visière. Pour la protection au vent, moyen. La bulle est petite, je me prends tout dans la tête. Donc honnêtement, c'est comme s'il n'y en avait pas de la protection au vent, la vérité. Bon, là elle est en haute, si je la mets en bas, je pense que c'est même pas la peine. Je la baisse pour voir. Bon, si je la baisse, je suis sur un roster. Hein. Voilà, pas de protection au vent. Je me prends tout dans la figure, dans les yeux. Là, voilà, la protection au vent, il n'y en a pas du tout, je me prends tout dans les yeux là. Donc ça sera dans les moins, bien évidemment. Ce que je vais mettre aussi dans les moins, c'est que cette machine est superbement bien équipée. Vous avez un tas d'options, mais pour avoir toutes les options, il va falloir casser la tirelire. Voilà, donc tu auras un tarif, il me semble, d'à peu près 15 000 euros, 14 000 euros, je vous affiche le prix. Machine qui va être facile à prendre en main. Vous pouvez faire à peu près la taille que vous voulez. Selon moi, il n'y aura pas de difficulté. La selle, elle est à 825. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai pas les pieds à plat. Et je ne suis pas sur la pointe des pieds du haut de mon 1m72. Donc, faut savoir. Sur cette machine, vous aurez en option une selle basse à, il me semble, 775 mm. Je vous affiche ici. Je ne m'en rappelle plus exactement. Vous avez en option aussi une selle haute. Donc vous pouvez paramétrer la machine vraiment comme vous avez envie. Ça, c'est bien. Donc pour les grandes tailles, pour les petites tailles, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Si certains d'entre vous possèdent cette machine, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il y en a qui ont la version 2023 et si d'autres ont une version plus ancienne, mettez-moi ce que vous pensez de l'accélération. Moi, la vérité... qu'elle est largement suffisante, l'accélération. Donc elle vous tirera pas sur les bras certes, mais il y en a assez. Si vous lui en demandez, elle vous en donne. Il me semble qu'elle fait le 0 à 100 à peu près 5,5 secondes en version A2, et en version full je crois c'est dans les 4 secondes. Donc c'est loin d'être ridicule. Bon, par contre au niveau de l'échappement, le bruit à l'arrêt, il était plus ou moins bon. Mais en roulant, je trouve un peu moyen en roulant. Voilà, je préfère déjà le bruit du XADV. Il sera beaucoup plus qualitatif. Voilà, hein, sinon la bécane en elle-même, elle est bonne. C'est une bonne machine. Hein. Voilà, elle a quelques défauts. Comme le tarif, la protection au vent qui est vraiment moyenne. Pas terrible du tout. La selle est un peu dure, sinon les amortisseurs sont bons. L'amortisseur avant, je trouve, ça reste mon avis, qui plonge quand même un petit peu. Voilà, et il se règle pas au guidon. Au guidon, on peut régler seulement l'amortisseur arrière. C'est un roadster type trail, mais c'est pas un trail. Voilà, il est équipé de pneus route, donc je pense pas que vous puissiez faire du tout terrain avec ça. Et même dans les modes de conduite, je n'ai pas vu de mode off-road. On va se tester ça d'ailleurs, les modes de conduite. Pour l'instant j'ai tout fait en dynamique. Bon, dynamique pro, c'est une dynamique qui va être personnalisable selon ce que m'a dit le concessionnaire. Le mode rain, c'est un mode qui sera plus doux, donc on va essayer. C'est une conduite détente, je pense. Voilà, s'il pleut, ben là vous mettez ça et aucun risque de tomber. Je vais accélérer un tout petit peu, voir si en mode rain ça répond quand même. Ouais, en rain oui. En rain c'est complètement linéaire. Voilà, j'accélère. C'est vraiment linéaire. Voilà. Mais bon, faut savoir que chaque mode de conduite aura une cartographie différente. Donc le traction control et l'ABS vont intervenir
de manière complètement différente si vous roulez en mode rain, c'est-à-dire en mode pluie, que si vous roulez en mode dynamique ou road. Je vais essayer le mode road. Alors le mode road, voilà, on sent de suite qu'il y a un peu plus d'accélération. Ça marche déjà beaucoup mieux. Le mode road, ça va être le mode, voilà, le mode de tous les jours. C'est un équivalent du mode standard. Avec, vous pouvez rouler normalement. Pour les consommations, bon, c'est une moto qui ne consomme pas des masses, ça va. Il me semble qu'elle est à un peu au-dessus de 4,1 litres au 100. Je vous affiche ça sur l'écran. Bon, en ce qui concerne le passager, sachez-le, la selle sera ferme pour vous, mais aussi pour le passager. Voilà, vous partagez la même selle. Elle est plus ou moins ferme. Là, ça fait environ 30 minutes que je conduis. Attention, j'ai pas mal aux fesses, mais c'est pas super confortable. Voilà. C'est un petit peu ferme, je trouve. Voilà. Si vous voulez faire des 2, 3, 4 heures de route, éventuellement, je sais pas, peut-être opter pour une selle confort. Je sais pas. Voilà, le freinage est vraiment bon. Hein. On le sent que c'est du Brembo. Ça freine superbement bien. Voilà, par contre, si vous freinez un peu fort, moi, après, c'est mon avis à moi. Hein. Moi, je vous donne mon avis à moi. Voilà. Moi, je trouve que ça plonge un peu. Hein. Si vous freinez un peu fort, voilà, la fourche à l'avant a tendance à plonger quand même pas mal. Voilà, pour la prise d'angle, regardez. C'est sain, hein. C'est facile. Super easy. Bon, à qui je vais conseiller cette machine, moi? Ben, éventuellement, à deux. Eh ben, à deux, à quelqu'un qui vient d'avoir son permis, oui. Le bridage, il est bien fait. On le ressent pas trop. Il est pas trop intrusif. Voilà, il y a de quoi s'amuser pendant 2 ans, tranquille. Et après aussi, je vais le conseiller à qui éventuellement? Ben, à quelqu'un qui roule pépère, qui a envie de pas tout le temps rouler. Quelqu'un qui roule pas tout le temps fort, éventuellement, mais qui va avoir une machine qui est du répondant pour pouvoir accélérer, doubler, s'il en a envie. Voilà. Bon, on va se faire un petit départ arrêté ici, avec le shifter. Je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Bon, je suis pas allé trop fort, parce que déjà, je connais pas la route. J'ai pas un brin où je suis. Et en plus de ça, j'ai pas envie de m'éclater la gueule. Voilà. Donc j'y suis allé mollo, tranquille. À un moment donné, j'ai ralenti. Hein, parce que le but du jeu, c'est pas de tomber. Ce petit chemin de campagne là, il est vraiment pas mal. Bon, je vais faire demi quand même. Hein? Non, allez, on continue. Bon, shifter up and down. Je pense que ça a été rectifié comparé au modèle d'avant. Il n'est pas agressif. Donc, j'aime bien. Voilà. Voilà. Hein. Dans les plus, l'équipement, je kiffe. Dans les moins, ben, le fait que tout ça, là, tout cet équipement soit payant. Ah, c'est des diables, le BM. Mais bon, ils ont raison. On paye. Ensuite, dans les moins, protection au vent. Bof. Vraiment bof. Pas terrible. Après, éventuellement, peut-être qu'il existe des bulles plus hautes qui vont vous protéger un petit peu plus. Mais celle-ci, pas du tout. Voilà. Dans les puces, prise en main. Moi, dans les puces, je vais mettre réponse au gaz. J'aime bien. Voilà. Pour du A2, moi, je sors du A2. Oh, je trouve ça bien. Voilà. Bonne accélération. Est-ce que je vais changer mon XADV contre ça? Non. J'ai bien aimé, mais je préfère mon XADV à ça. Donc, non, je ne changerai pas, malgré que ça soit une superbe machine. Dans les moyens encore, je vais mettre la selle, elle est dure, vraiment, ouais, elle est dure. Éventuellement, il faudra mettre une selle confort, je pense. Dans les plus, le fait que les leviers de frein embrayage soient réglables, voilà, ça c'est bien. Moi, j'aime bien. Dans les plus, écran TFT,
super lisible sur fond noir là comme ça, c'est vraiment, je crois que même en fermant les yeux, ben on y voit. Voilà les amis, bon, j'espère que cet essai vous aura plu. Si oui, un petit pouce bleu, moi ça me fait kiffer, ça me fait plaisir. Voilà, on s'approche des 1000 abonnés, toi même tu sais, je vais ramener la moto à sa tanière. Une vidéo qui sort toutes les semaines. Allez les amis, je vous dis à bientôt, je vous fais la bise, ciao ciao.